avec un pré-filtre là, qui retient bon, les autres particules. Et puis après, vous avez les nourrices qu'on appelle, avec une vanne sur chaque jet, une sortie de jet, voilà. On a en plus donc une filtration qui filtre en permanence, enfin, quand on veut, parce qu'on a une horloge pour la filtration aussi, qui est indépendante. Et on filtre comme une piscine, hein. C'est tout simplement le même système qu'une piscine avec un filtre à sable. Et puis voilà, on filtre en permanence l'eau. Et on a une autre partie dans la partie, donc dans la cuve, qui est séparée avec des grilles, où les grosses particules arrivent, les sacs, les, enfin tout ce qu'on veut, hein, tous les déchets, arrivent dans le premier bassin et empêchent donc ces gros éléments de partir dans l'autre bassin. Et après, les petits éléments sont filtrés par le filtre à sable. On a autrement donc un remplissage automatique.